Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque du jour. J'en ai marre de recommencer, toujours la même chose. Ta-da-da-da. Ta-da-da-da, 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 ta-da-da-da. Ah ouais, non mais c'est chiant à la fin. Mais j'en peux plus mon gars, c'est un truc de fou. Oui, donc du coup, je vous disais... Non, je vous disais rien du tout d'ailleurs. Oui, donc j'ai eu deux nouvelles légendaires. on va direct. Donc j'ai eu deux nouvelles légendaires. Donc qu'est-ce que c'est ces légendaires? Ah bah c'est très simple. C'est la bûche et le... Molosse de lave, les gars! Mais ouais, c'est bon ça! Le petit molosse de lave, donc j'ai eu dans le pack opening d'aujourd'hui. Alors le truc, c'est qu'il y a deux jours, j'ai fait un pack opening où j'avais du coffre magic, du coffre géant. Et dans le coffre magic, qu'est-ce que j'ai eu? Petite légendaire, bien entendu. J'ai eu le sorcier de glace. Et là, pack opening aujourd'hui, donc deux jours plus tard, boum! Coffre d'argent, bûche, coffre de couronne. Molosse de lave. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est pas possible. Je suis en train de rêver. C'est pas possible. Je suis en train de répéter depuis tout à l'heure ce que je... Enfin, la même chose, tu vois. C'est un peu énervant. Mais malgré tout, faut le faire. Parce que j'ai envie d'avoir un gameplay où je gagne. À chaque fois, j'ai soit une égalité, soit je perds. Au dernier moment, généralement, d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave. En attendant, moi, je te dis, c'est possible de y arriver. C'est possible. Ce deck n'est pas non plus super nul. D'ailleurs, il fait des bons dégâts, des fois. Oh, quand ça passe, hein. Oh là là, c'est un truc de fou. Mais bon, malgré tout, voilà. Hein. c'est pas non plus super facile de l'utiliser. Alors juste, ouais, d'ailleurs, j'ai même pas les flèches, c'est ça qui est un peu énervant, hein, effectivement. Mais donc du coup, je suis content, tu vois. Hein. Bon, j'ai toujours pas ma princesse, c'est sûr. Mais malgré tout, j'ai quand même eu deux légendaires. Ce qui n'est pas rien. Hein. C'est carrément, mais c'est énorme. C'est énorme, t'imagines, deux légendaires. Généralement, t'en as tous les 1 ou 2 mois, tu vois, des légendaires. Là, j'en ai eu deux, genre en un pack opening, mais vraiment pourri, quoi. Genre, coffre d'argent, c'est quoi? C'est même pas un coffre, tu vois, ça existe pas, c'est nul, tu vois. Coffre à couronne, bon, à la limite, là, il y a déjà plus de chances d'avoir une légendaire, tu vois. Mais franchement, quoi, tu vois, le coffre d'argent, là, bon, c'était pas non plus. Et bim, tu vois, j'ai eu une légendaire, quoi. Et en plus, au moment où j'ouvrais les coffres d'argent, dans ma tête, je me suis dit, allez, une petite légendaire tranquille dans un coffre d'argent, ce serait pas mal, tu vois. Et puis là, boum, tu vois, pas le coffre d'argent qui me donne une légendaire, mon gars. Mais what, quoi? Enfin, j'ai gagné ce gameplay. Enfin, enfin, j'ai gagné un gameplay. Oh, coffre d'or, tiens, ça fait plaisir, ça. Super combat, et puis, bah, bonne chance pour la suite. Voilà, voilà. Et ben, enfin, j'ai gagné ce gameplay. J'ai gagné un gameplay, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Bon, bah, en attendant, je vais vous dire un petit peu mon avis sur cette carte nouvelle, qui est le... comment ça s'appelle? Tu sais, le... le bois bougeant, là. Je sais plus comment ça s'appelle. La bûche, voilà. Donc, la bûche est plutôt pas mal. Enfin, non, c'est pas vrai, en fait. La bûche est plutôt délirante par rapport au fait que, tu vois... déjà, je crois qu'elle est pas destructible. Je crois. Ça me semblerait logique, hein, étant donné le truc. Je sais pas. Non, franchement, je pense que oui. Il faudrait que je regarde si elle a de la vie ou pas. Donc, normalement, elle est pas destructible. J'espère. Parce qu'elle n'a jamais eu de dégâts. Moi, la mienne n'a jamais eu de dégâts. Elle se détruit tout seule à la fin. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, elle fonce et bam, elle défonce tout sur son passage. Quoi. C'est genre un petit peu genre strike et tout, tu vois. Bon, ça n'enlève pas extrême de vie, effectivement. Mais c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ça peut libérer un petit peu de la place, des fois. Pour seulement 2 élixirs, ça peut être sympathique si tu sais pas quoi mettre dans ton deck. C'est comme les squelettes. Tu sais pas quoi mettre dans ton deck, tu mets les squelettes, tout simplement. Et puis voilà, bon, c'est une carte que j'utiliserai certainement plus, hein. Parce que j'avouerai que c'est pas non plus exceptionnel, cette carte. Mais disons que c'est une légendaire et ça fait plaisir, tu vois. Tu peux pas enlever son titre, c'est une légendaire, tu vois. Nul, mais c'est une légendaire. Voilà. Après, le Molosse de lave, niveau 2, bon, ça change pas extrêmement. Mais disons qu'ils font quand même un petit peu plus de dégâts. Je crois que c'est 5 dégâts par seconde, je crois. 4 ou 5 dégâts par seconde, un truc dans le genre. Ouais, je crois que c'est ça, 4 ou 5. Donc c'est pas énorme, mais ça fait quand même déjà ça de plus. Ça fait 10% de dégâts en plus par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Et puis voilà. Donc du coup, je pense quand même que je vais essayer sur ce, voilà. Donc enfin, j'ai réussi mon gameplay. J'ai pas le temps en plus, c'est ça le pire. Mais moi, je suis tellement obstiné, c'est hallucinant. Bon,
Attends, moi je vais essayer sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et je pense que là... je peux pas me plaindre, c'est pas possible, hein. Mais j'attends toujours ma petite princesse. Ah, pourquoi pas. Allez, moi je vous laisse sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis n'oubliez pas, restez cool.